Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode commenté de Zelda Ocarina of Mais t'es Time. trop nul comme commentateur! Salut à tous et à toutes, c'est Majmo et Léo Zander pour ce nouvel épisode. Quoi? Majmo? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, j'ai invité Majmo pour cette partie de mon épisode sur Zelda, juste pour le fun, parce qu'avec lui, c'est beaucoup plus délire. Donc D'ailleurs, j'espère que ça vous plaira. Quoi d'ailleurs? C'était combien? C'était 10€ ou 15€ que je te paye pour participer à l'épisode? C'était Non, ça on réglera après. C'est d'accord, y en a plus d'accord. Pour 45€. Hein. Ah oui, bon. Et pour ça, je crois que c'est genre 5€ par 10 secondes de pub. C'est ce qu'on avait dit, non? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Bon bah très c'est bien. non, attendez, il rigole, mais maintenant qu'il m'y fait penser. Non. Bah j'étais calme. Bon, et ben voilà, je suis très content de vous présenter Majmo si vous le connaissez pas. C'est quelqu'un qui fait depuis très peu de temps des vidéos HD grâce à un HD PVR. Et il fait ça sur une nouvelle chaîne que je vous invite à découvrir, Majmo 7. Et sinon, il y a son ancienne chaîne, Majmo 6. Ah, ancienne chaîne, Majmo 6. Et je ne parle pas du tout de Zelda, vous aurez remarqué. Donc on va pas non plus faire une ellipse trop longue. Mais, non, une ellipse. Un aparté, non. Un aparté pas... Non, c'est pas un aparté. Ouais, enfin voilà, en gros, vous comprenez bien le concept. On va pas parler trop longtemps. Regardez, il y a mes fanboys qui s'agglutinent au-dessus de moi. Les fanboys que je déteste. Les fanboys que Majmo ne peut pas voir ni en photo, ni en peinture, ni en jeu vidéo. Quoi, c'était nul comme expression. Je m'en fous que c'était nul. Oui, bon. C'était drôle, c'était du Léo Zander. Et alors là, regardez, Majmo est un peu déconcerté par mes fanboys qui lui font un peu peur. Mais pourquoi tu passes pas la porte directement? Regardez, je vais me faire mes fanboys là, parce qu'ils sont un peu trop nombreux, mes fanboys. Ah, ça me dérange pas ça. Ah, ouais. Surtout qu'on les distribue des cœurs et des flèches. Bon. Parce que c'est les gentils fanboys. Alors, on va parler un peu de Zelda maintenant, parce que, bon allez, on va faire vite, rapidement, un peu de pub pour Majmo. Vas-y Majmo, lâche tout ce que t'as à dire, c'est ton heure de gloire. T'as rien à dire. Non, j'hésitais. Non, alors, voilà, bah, j'ai commencé une chaîne où j'enregistre des gameplays en HD. Enfin, en l'occurrence, là, je joue sur Assassin's Creed Brotherhood. Et je suis assez à l'écoute de mes abonnés. Là, ils voulaient voir l'émission de Christine. Ah bon, bah, ça, si vous connaissez pas, ça se passe dans le jeu, il faut connaître. Et je suis peut-être parti, j'ai peut-être commencé à walkthrough de Assassin's Creed, hein, le tout premier. C'est fini. Ah, temps écoulé. Merci Majmo. Pardon. Tu me dois 45€. Non, sérieusement. C'est juste qu'il faut quand même qu'on parle un peu de Zelda, ouais, parce que les abonnés, il y en a certains qui regardent le truc pour le jeu. Et pas vraiment pour tes vidéos. Non, je vais résumer ça globalement. Je vous promets que j'adore Majmo, mais il faut qu'on parle d'autre chose. Tu m'adores. J'adore Majmo. Non mais normalement je retiens. Ok. Prépare-toi au commentaire de Navistai, tu vas voir. Prépare-toi. Alors là Navistai il va se défouler. C'est genre oh, Majmo et Léo Zander, les deux en même temps je peux les charrier. Oh c'est trop bien. Oh oui j'avoue. Oui. Bon bref, il fait des vidéos sur Assassin's Creed en HD et sur plein d'autres jeux next-gen que vous pouvez découvrir sur sa nouvelle chaîne, enfin bientôt. Enfin, pour l'instant, il y a juste Call of Duty avec toi. Ouais, j'ai. Ouais, il y a quelques. On va faire des vidéos de Call of Duty avec ensemble. Enfin, on en a déjà fait une, mais on en refera d'autres. Donc voilà, donc allez découvrir, ça vaut le coup. Je vous mets le lien de Majmo 6 qui apparaît à l'écran. Dans la description, parce que. Oh, non. Oui, mais à l'écran. À l'écran, mais tu le vois bien, non? Tu le oui, vois mais pas après, regardez la fin de l'épisode. Attention, quand même, hein. 3, 2, 1, 0. Voilà, maintenant c'est Majmo 7 qui apparaît à l'écran. Et Majmo 7, c'est la nouvelle chaîne HD. Et évite d'imiter le cri de l'araignée, sinon je vais m'énerver. Le cri de l'araignée sur Minecraft ouais. Parce que Majmo a trouvé comment reproduire le bruit de l'araignée de Minecraft. Et toi, je sais pas ce que tu fais là. Je veux mourir, petit. Manta. Détruis là. Mais je veux te tuer, toi. Les grappins, ils rebondissent sur l'eau. Voilà. Alors là, vous vous demandez sans doute qu'est-ce que je fais. Je suis en train de résoudre l'énigme, en fait. Parce que pendant que Majmo et nous, on parle, mes doigts jouent tout seuls. Hein. C'est devenu tellement un réflexe. En fait, je vous explique. On avait enregistré cet épisode il y a... 4 minutes. 4 minutes, c'est ça. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de mon micro. Et voilà. Bon bah je pense que vous comprenez maintenant pourquoi on est en train de le refaire. Ah en fait c'était le bouton ouais. Ah bah j'avais le même problème en fait. Ouais bah je comprends maintenant ce qui s'est passé. Bref, en attendant, on active l'eau et regardez on peut monter. Alors là il faut aller aux escaliers, enfin les escaliers c'est relatif hein. Ce sont tous des blocs de la taille de Link, donc ça doit faire bien 2 mètres. Et, enfin 2 mètres non, allez 1 mètre, il doit faire combien là? À 17 ans. Ah sachez que j'ai appris un truc grâce à quelqu'un. Là maintenant là, Link il a 14 ans. Oui, oui, je sais, c'est dur à croire, moi aussi j'ai du mal. Mais en fait, il avait 7 ans quand il était enfant. C'est-à-dire que l'âge qu'il a quand il est enfant, c'est 7 ans. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Et donc, résultat, bah, si a priori, si je suis pas trop mauvais en maths, 7 plus 7, 14.
Donc il a 14 ans. Et je trouve que ça fait un peu jeune, parce que je l'estimais beaucoup plus vieux. Mais bon, après, on analyse Link bien comme on veut, hein. C'est pas très important tout ça. Vas-y, Majmo, t'as quelque chose à dire? Non, je... Non, à propos de Zelda, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Ouais, c'est vrai que tu connais pas très bien, mais ça t'empêche pas de venir sur la vidéo. Plus que tu l'as, que tu ne vas pas tuer. Alors, je peux plus tuer les sculptures là. Non, oh là 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 là. Oh non, pas ce truc là. Ils sont horribles. Horribles. Donc, en fait, je peux plus tuer les sculptures là, j'en ai déjà 100. Et c'est pas très logique d'ailleurs. Mais bon, sinon, après, en termes de réalisme, le mec qui a 150 sculptures là, on va lui poser des questions quoi à la fin de son walkthrough. Oui. D'ailleurs, les rubis, il faudrait que tu songes à les utiliser parce que. Ah ouais, c'est vrai ça. Je sais pas ce que tu peux acheter. 180 rubis. Non, mais moi j'ai pas envie d'acheter, j'ai envie d'économiser. Là, je vais aller me faire un. Je sais pas. On va voir. T'as raison, le problème c'est que j'ai pas vraiment besoin d'acheter parce que je passe toujours par les astuces pour ne pas acheter justement. Je passe toujours par les objets gratuits et tout, donc c'est un peu bizarre. Enfin ouais, les rubis normalement ça sert hein, quand on joue parce qu'on peut manquer. Quoi, suspense. Que va-t-on trouver? Ah bah la clé d'or, hé. Et c'est quand il faut faire tiendadana, attends. Par contre je vous préviens, cet épisode va peut-être être en plusieurs parties, mais si ça peut vous rassurer, sachez que quand même... Les deux parties sortiront, enfin sont sorties en même temps, vous devrez le savoir vu que vous avez le vidéo sous les yeux. Et donc je pense que c'est pas trop grave, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le lien qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Voilà, hop, là on remet les bottes de plomb, on descend, oui. Les gens qui regardent cette vidéo ils regardent aussi Minecraft? Non pas tous. Pas tous mais certains. Bah, certains. Ouais non parce qu'en fait je vous explique, moi comme j'ai peur des araignées, j'ai commencé à me faire un pack de textures où je modifiais les araignées. Faut pas trop changer de sujet en fait. Non mais c'est... Ah oui c'est vrai, oui, parce que moi j'ai peur des araignées, ça c'est un truc. C'est une vraie phobie. Qu'est-ce que je fous là moi? Non c'est pas par là, attends. Je vais mourir, je vais me faire déchirer. Oh non, okay. Ah non c'est pas. Oh là 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 là. Alors. Non mais en gros, Majmo, oui, elle s'est fait un pack de textures, il a changé les araignées, ce qui va lui permettre de jouer. Non mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'organise un concours qui est sur ma chaîne Majmo 6, que vous pouvez faire pour gagner le pack de textures, pour gagner le pack de textures que j'ai fait, et il y aura beaucoup de gagnants, hein, je vous l'annonce tout de suite. En gros, si vous participez, vous gagnez, quoi, c'est à peu près ça l'idée. C'est quasiment l'idée, en fait, je vous demande juste une construction en rapport avec Assassin's Creed. Bon, je vais pas expliquer le détail du concours ici, tout ça est sur ma chaîne. Voilà, bon, maintenant ça suffit la pub. Oh. Oui, ça suffit. Ouais, enfin, faut meubler. Or, ça vaut de l'or, cette remarque. Oh là là là. Navislai, dédicace. Navislai, dédicace. Pour le commentaire que tu vas écrire. Il faut meubler. Oh là 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 là. On t'aime, Navislai. T'es devenu notre référence critique. Voilà, il y a des critiques d'art, mais il y a aussi un critique de Léo Zangdar et de Majmo. C'est Navislai. Si vous voulez, vous aussi, entrer dans le domaine de la critique de commentateurs privés et personnels, contactez Navislai, il vous fera peut-être intégrer le milieu. Bon, il est seul pour le moment, mais... Oui, je pars dans des tripes, j'avoue. Regardez, mes fanboys sont tous réunis pour me sourire. Oui, il y en a marre, hein. Et maintenant, distribution de cœur aussi, hein. Oui, distribution de cœur. Ils sont là pour ça. Bah, c'est les fanboys, hein. Ce donjon est une vraie plaie. Alors, vu que... Résultat, vu... Non, il faut que j'arrête. Ah. Ok, je vous explique. Ce donjon, en fait, c'est beaucoup d'aller-retour à partir de maintenant, parce que... Comment on va l'expliquer? Attention, le rocher va arriver. Oh là là, si je gère là, c'est au-delà de PGM, c'est... C'est juste... Oui. Attention. C'est BGM. En plus, les fanboys qui s'attaquent. C'est bon. Oh, c'est beau, ça. C'est magnifique. C'était parfait. C'est parfait. C'est le Zangdar. C'est moi. C'est parfait. C'est modeste. Non, attention. Il faut faire attention. Alors là, Majmo a tenté de faire une référence à quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Non, mais excusez-le. C'est très faible. Mais vous laissez tomber direct. Non. Enfin, je vais vous expliquer parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que quand quelqu'un fait une référence et que vous ne comprenez pas ce que c'est. On a une prof de français qui aime... sa matière, ce qu'on va dire, hein. De lettres, professeur de lettres. Professeur de lettres, tout à fait. Car la lettre, vous savez, la littérature est un art. Oui. Et elle parle un peu comme ça, et on s'amuse assez souvent à l'imiter, ce qui est très très bon. Je m'amuse parce que... Parce que Majmo a un vrai talent d'imitation, peut vous faire beaucoup de choses. Et ça encore, vous pourrez le découvrir sur sa chaîne. Non, je déconne. Non. Là, tu devrais te lancer d'ailleurs. Non. T'as une vocation. Non, je te jure. Oui. Non, oui. Mais je viens d'acheter le nouveau micro là, donc je peux. On va où maintenant, Majmo? Hey, Majmo. Tu vas à l'est? Hey. À l'est? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Je sais tout. Je suis là pour aider Léo. Et là, tu crois que je vais où là? Ouais. C'est ça, grappin. Oui. Et on est où là? À l'est? Non, ou à l'ouest? Super grappin. Ah non, parce que là, on est à l'ouest. Ouais. Oh. Non. Ah. Oh ouais. Attends. Cool. Génial. Génial. C'est ça. C'est le moment que je préfère de tout l'épisode. Ah ouais. Oh, tu vas adorer. Ouais.
Ah non, bah non, t'as trop de chance, il est tombé. Oh non. Ouais, il est tombé juste devant moi. Oh non. C'est pas grave. Oh non. Majmo avait été surpris par le machin bleu là, l'arachné bleu. Oui, il y a un arachne qui vous arrive sur la tête. Il avait hurlé dans la dernière vidéo, mais voilà, on n'a pas pu enregistrer. Hurlé. C'est pas trop bête ça. C'est vraiment trop bête. Allez, hop, vous jouez le chant. Alors ça, c'est quasiment la dernière étape avant le boss. Vous jouez le chant la berceuse de Zelda ici. Et regardez, le niveau de l'eau revient à son point de départ. Donc au final, en fait, on a fait tout ça pour une seule raison. Avoir la clé. Avoir le super grappin. En fait, si on avait eu le super grappin dès le début du donjon, rien n'aurait été à faire, quasiment. Mais on peut l'acheter, le super grappin ? Non, ça s'achète pas. Tous les objets comme ça, ils se trouvent dans les donjons. Disons qu'avec, je sais pas moi, enfin, il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir. Hein. C'est complètement ce qu'on oui, pense, en fait, c'est le principe du donjon. Donc, en fait, le principe... Mais oui, mais c'est pour vous montrer à quel point ils utilisent les salles... Enfin, ça prouve bien qu'une salle n'a pas qu'une utilité, quoi. Ah ouais, il va loin. Ouais, il va vachement loin. Bah, c'est vachement pratique, en même temps. Deux fois plus de portée. Alors, maintenant, c'est le gros challenge, attention. Ah, alors là, ça... Oh là 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 là. Et je vous promets, on a dû y passer, sans mentir, 5 minutes. Ouh, allez, je me prépare psychologiquement. Alors, ça paraît anodin. Hein. Ça paraît anodin. Oh, trois petits pics qui se baladent. Oh, trop dur, la porte est de l'autre côté. Ne vous méprenez pas. Ce ne sont pas trois petits pics qui se baladent. Oh, il va réussir du premier coup. Non. Si je réussis non, du premier coup. C'était beau de rêver. C'est beau de non. rêver. Mais, non, je te dis, on peut pas faire tout d'un coup. Ou alors avec le glitch. Il faut être un PGM. Non. De la mort qui ne tue pas des mouches. Quoi? Attends, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. C'est que seulement au dernier qu'il faut bouger. Alors regardez, dès qu'on se fait toucher, on redescend. Horrible, ouais, moi je dis, ignoble, alors, monte tout droit, infernal, tout ce droit. Que vous voulez. Et là... Non j'ai lâché. J'ai lâché sur la manette. Non, ah, tu vas... Non, raté. Ouh. Oh. Non. Jamais en arrière. Alors, attends. Ouais, exact. Je te guide. Alors, mets-toi un peu sur un côté. Mets-toi un peu du côté droit. Voilà. Attends. Attends qu'il passe. Bon, tu sais qu'on peut pas s'en partir. Go, voilà. Et maintenant, tu colles à gauche. Ouais, bon, raté. Fallait que tu colles plus à droite. Et après, il faut coller à gauche, en fait, pour... Ou peut-être non, reste. Oh, oh oui, parfait. Non, c'est pas parfait en fait, non, c'est vachement dur. Non. C'est impossible. Oh là 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 là, mais comment vous voulez réussir ce truc? C'est horrible. Bah, c'est sûr que c'est qu'à un moment donné, il va falloir changer de côté. Voilà, on va peut-être tente là. Hein. Non. Quoi non? Bah quoi non? Ah oui, il fallait peut-être le laisser passer loin. Ouais, je suis sûr que vous devez rigoler, oh, c'est trop facile, il y a quelques pics. Eh, croyez-moi, c'est pas possible. Oui, c'est vraiment pas... Moi j'ai essayé en plus. Ouais, j'ai essayé. Bon, à part qu'il arrivait qu'à réussir, le seul truc qu'il a réussi à faire, c'est tirer le grappin. sinon, c'était quand même assez glorieux. Ah non, mais c'est vrai que la façon de configurer la manette, c'est... Oui. Alors là, mieux que ça, tu peux... Non. Ça suffit, là. Ouais, on va passer tout l'épisode à faire ça. Voilà, enfin là... Toute la partie secondaire de l'épisode. Oui, parce qu'en plus, ils ont deux parties. Alors... Non. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais faut vraiment coller les coins, en fait. Non, mais attendez, il n'y a pas de stratégie à avoir, mais c'est là que les développeurs sont ultra sadiques. Non, c'est une question de que vous en pouvez plus, vos nerfs sont à bout, vous avez la clé, vous avez qu'une envie, c'est de vous faire le boss, et oui. Là, ils les vont pas la même vitesse, en fait. Oui, Léo Zangdar, le PGM. Je vais être renversé. Et ben voilà, mes amis. Non, redescends pas, s'il te plaît, ne redescends pas. Non, regardez, je vais pas redescendre, vous êtes fous. Je me fais des coups de frayeur. Bon, allez, on a réussi. Finalement, c'était pas si dur que ça. Non, je déconne, je dis ça après, bien sûr. C'est facile de charrier après que ce soit fait. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci à Majmo de m'avoir... De rien. Oui, bah, voilà, de m'avoir... Ça, voilà. De m'avoir... Assisté. Assisté, ouais. Enfin, tu en essayant, en tentant d'être assisté négativement... En meublant. Merci à tous de votre soutien, de votre générosité. Je ne suis pas du tout en train de foirer ma fin d'épisode, c'est pour faire héroïque, c'est ça le but. Donc merci à tous, encore une fois, ça fait bien 5 fois que je le dis là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et ça fait deux fois prochaine. Salut. Attends, bah, je me dis là, au revoir. Au revoir, il a le billet, tiens, le billet. Merci beaucoup.